On veut tous arriver ensemble à Noël. Donc, malgré les incertitudes, je pense qu'il est important de récompenser les Québécois. On vous laisse aller jusqu'à 20. On doit mettre un maximum à 10 personnes. On va jusqu'à 20 parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à 40 par 50. On dit jusqu'à 20 personnes de personnes vaccinées. Il y a une nouvelle variable là, qui est arrivée et qui revient, là, c'est le Omicron, le Omicron. On doit mettre un maximum à 10 personnes. Par exemple, si vous êtes au restaurant, oui, vous enlevez votre masque quand vous êtes assis, mais si vous vous déplacez, vous devez porter votre masque. Je veux juste rappeler aux non-vaccinés, puis je veux respecter leur choix, là, que les non-vaccinés, actuellement, il y a beaucoup de virus qui circulent. Je ne recommande pas aux non-vaccinés de se mettre en gros groupe. C'est eux qui vont faire la maladie, qui vont peut-être éventuellement se trouver aussi intensifs. Tout ce qui est des rassemblements familiaux dont on dit en haut de 20, idéalement, pas de mettre des personnes non vaccinées. Et puis là, votre beau-frère qui est non vacciné pourrait se trouver aussi intensif. Essayez de vous voir entre non vaccinés. Essayez de vous voir entre vaccinés. Oui, c'est oui. Ça, tu dis non vacciné? Je dis non vacciné. Oh, oui. Les enfants, actuellement, ça circule beaucoup. Hein? Je ne sais pas si vous savez, on les a vaccinés. Mais ça se peut qu'il y en ait la qui se rapproche de grand-papa et grand-maman.